Bonjour et merci pour les cœurs. Bonjour. Madame, lavez-vous au sel matin et soir. Le plus important, ce n'est pas de se précipiter pour me parler. Lavez-vous au sel d'abord. Voilà. Quand vous aurez assez d'argent, vous allez revenir payer ma consultation. La consultation simple, c'est 40 000. Merci. Bonjour, bonjour. Ok. Bon, je vais vous donner quelques signes qui vont vous faire savoir si vous êtes devenu choisi. Oui, on devient choisi. C'est que peut-être pour certains cas, on devient choisi. Oui, tu peux devenir choisi. Ouais, je parle de choisi tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au départ, je faisais des vidéos comment détecter que je suis un choisi. Et là, maintenant, je vais vous dire comment savoir si vous êtes devenu choisi. Donc, bienvenue, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Un choisi déjà c'est qui? Un choisi c'est quelqu'un qui tu as toujours su que tu es né pour faire quelque chose de grandiose sur cette terre. Ton intuition te l'a toujours dit. Et même si les gens autour de toi ne comprenaient pas, toi tu sais. Attendez, je vais supprimer quelque chose dans le groupe. Donc peut-être que tu as toujours eu une sensation, une intuition. Et tu as toujours su que tu étais spécial, mais jusqu'à ce que tu tombes sur mes vidéos, tu ne savais pas en quoi tu étais spécial. Et la plupart du temps, souvent, on te disait, ah, tu crois que tu es spécial. Tu penses que. Donc, tu crois que tous les trucs qu'on dit à la télé là, tu crois que ce qu'on dit TikTok là, c'est aussi pour toi, toi aussi tu peux devenir ça. Un choisi, c'est quelqu'un qui a des dons qui ont été développés avec les circonstances de la vie. Parce qu'on a tous des dons, mais ce n'est pas tout le monde qui va manifester ça dans cette vie. D'autres personnes, vous n'allez pas juste. Ça ne va pas vous intéresser. On va faire spiritualité, tout ça, ça ne va pas t'intéresser. Il y a des personnes que toi, tu es à l'aise quand tu travailles pour quelqu'un. Parce que l'une des caractéristiques des choisis, c'est que les choisis ne veulent pas travailler pour quelqu'un. Et merci, bonjour. En passant, je suis toujours belle. C'est le même visage que je vous montre tous les jours. Donc, quand vous me dites que je suis belle aujourd'hui, là, le même visage. Donc, vous avez, on m'a dit il y a cela 2 ans quand tu écoutais mon message, tu ne pouvais pas t'empêcher, mais tu travaillais pour quelqu'un. Tu dépendais du gouvernement. Tu prenais encore l'argent de la CAF. Et quand tu écoutes le message des choisis en 2022, tu te dis, j'ai toujours su en moi que je n'ai pas besoin de travailler pour quelqu'un. Maintenant que cette fille me confirme, je vais oser. Merci Nancy.
Bonjour, première dame. La reine d'Aline, bonjour. Sadia, bonjour. Paola, bonjour. Franceline, bonjour. Franceline, c'est toi qui envoie le message hier. C'est toi qui envoie le message qui me disait que tu allais me parler. Je ne panique pas. Je ne veux pas les messages de panique. M'envoie pas les messages de panique. Même si c'est ton guide de n'importe quoi qui a dit que tu veux me parler. Molo, quand tu viens pour me parler. Voilà. La secrétaire m'a dit un truc comme ça. Elle m'envoie le voice que vous voulez vous parler, vous parlez. Il ne prend pas la panique. Voilà. Donc, il y en a parmi vous, quand vous m'avez écouté, vous avez commencé à m'écouter l'année passée. Tu étais dans une dépression, tu étais là. Tu sortais peut-être d'un mariage qui n'a pas marché. Tu sortais d'une relation qui n'a pas vraiment donné. Et tu ne savais pas sur quoi t'accrocher. Ou bien tu venais de perdre ton enfant, tu venais de perdre ton mari, tu venais de perdre... Peut-être t'es mort, ton père, ta mère. Donc tu manquais d'ancrage. Je vais bien, merci. Tu manquais d'ancrage. Et dans ce manque d'ancrage, tu as tâtonné, cherché. Tu es tombé sur mes vidéos. Et le truc, c'est que même quand tu traverses la dépression, il y a un esprit qui te parle. Il y a quelque chose en toi qui te dit que c'est possible que je sorte de ça. Je suis dans la tempête. Je dis que la carte des anges, je te donner l'argent. Et tu dis que malgré le fait que je n'ai pas l'argent, je suis sûr qu'il y a une stabilité financière que je peux avoir. Donc quand tu tombes sur une de mes vidéos, je commence à te dire que tu n'as pas besoin de travailler pour quelqu'un. Les dons que tu portes là, c'est l'âme. Je ne peux pas dire que c'est l'argent. Et là, tu dis, ah, je savais. Bonjour à la reine Tchégué. Je dis, je savais que j'ai toujours su en moi. Certains d'entre vous, il y a une, elle était, quand je me suivais, elle était en Europe, elle a quitté de l'Europe, elle est partie dans son pays d'origine, lancer des plantations. Il m'avait imposé l'autre jour, il me disait, je peux confier, donc c'est à partir de tes messages, de tes vidéos que tu m'as donné le courage de me lancer. Je vous fais comprendre que vous êtes assisté, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a des gens avec vous. Même ce que tu as envie de faire là, ce n'est pas toi qui t'es donné cette mission-là. On t'a donné cette mission. Ma fille, mon numéro est sur la page. Non. Je sais que tu veux parler avec moi. J'ai vu ton message. Commence à te laver avec le sel, s'il te plaît. Le tout, ce n'est pas de chercher à me parler. Lave avec le sel matin, soir. Et regarde mes vidéos constamment pendant 2 semaines. Parce que la vision que vous avez de la consultation, là, moi, ce n'est pas ce que je fais. Pendant la consultation, vous aimez qu'on vous dise tout de vous. Dis-moi, qui me bloque? Dis-moi qui me bloque? C'est ma belle-mère. On te dit non, on a mis un gros serpent sur ton cou. Ha! Elle a fait déjà que tu ne peux plus jamais te voyager, tu ne peux plus te marier. Tu dis, je savais. Quand la personne finit de te parler, il ne te dit pas comment faire pour détacher le serpent là. Il dit, merci, c'est fini. La consultation de 2000 francs est terminée. Tu sors, te voilà dehors. Je savais. Je savais que Marjorie qui ne m'aime pas. Marjorie, hein? Je savais. Tu es à la maison pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans. Et ça fait, on m'a bloqué comme ça, c'est ma Jackie qui m'a bloqué. Maman, c'est.
C'est ma masse qui m'a bloqué. Je t'avais dit. On m'a dit qu'elle a mis un gros serpent sur mon cou. Tu ne cherches pas comment retirer le serpent. Tu vas prendre maintenant le micro. Je me focalise sur la solution. Vous me suivez? Ma tonta. Tu connais. Tonton Jean. On dit que Kya Jean. Ah, Kya Jean, non. Oh, Seigneur. Oh là là. Pour savoir que tu es choisi, tu ne te focalises même plus sur les problèmes. Donc, quelqu'un vient même te dire que c'était telle personne qui avait fait telle chose. Tout à part, chose, on fait comment pour sortir de là? C'est ça les choisis. Et les choisis ont une capacité d'automotivation incroyable. Oui. Self-motivated. On te met, on te tape, tu es dans le mariage, femme battue, femme ceci. Une dame m'a appelé une fois, elle vient aux États-Unis, elle me suit de temps en temps, sûrement elle va m'arrêter. Et elle m'a raconté une partie de son histoire, qu'elle sortait avec, elle était avec son mari, elle vivait encore au Cameroun à cette époque, avant de faire ses papiers pour aller aux États-Unis. Son mari ne voulait tellement pas qu'elle entreprenne que quand elle faisait les croquettes et les caramels, elle gardait en bas du lit. Donc c'est ça qui va fouiller toute la maison, mais le bas du lit là, il ne va pas passer. C'est là-bas qu'elle gardait sa marchandise. Quand il sort, elle est enseignante. Elle porte ses choses, elle met dans le sac. Elle vend un peu. Parce que c'est le genre de déception qui te bloque, le genre que tu ne peux plus. Tu n'as donc, on ne te voit pas. Absolument pas. Tu vois le genre de Joe qui est tellement. On ne va même plus l'appeler narcissiste. Qui n'est pas narcissique. He's not a narcissist, never. Il a dépassé ça. Elle dit donc qu'elle ne se laissait jamais décourager. Il tapait, il faisait tout. Dès qu'il sort, elle se lève, elle fait ses trucs, elle garde. Après, elle fait son commerce, ça marche. Donc, pour savoir que tu es choisi, quand tu regardes tes étapes que tu as traversées, tu sais qu'une personne normale n'aurait pas. Une personne normale n'aurait pas pu. Mais toi, tu as. Il y a une niaque dans toi là. On te décourage, non, ça n'a pas marché. Ça a brûlé, le magasin a brûlé. Oh, le bateau a coulé. Donc les gens qui ont fait ça croient qu'ils t'ont fini. Le lendemain, on te voit en train de vendre les avocats sur la tête. 2 semaines plus tard, tu portes les avocats, tu as le bénéfice des avocats, là, tu achètes maintenant une petite table, tu es en train de vendre le pain chargé. 2 mois plus tard, tu as fini le pain chargé, maintenant tu as seulement loué un petit coin où tu prépares maintenant la nourriture. La fille, il y a un lien, clique sur le lien. Il y a un lien bit.ly. On fait encore 2 mois, on revient. Quand tu as loué la moitié d'un restaurant. Mais tu veux faire du gaz. Tu as loué la moitié d'un endroit pour faire le restaurant. Toujours toi. Celle qui est sur TikTok, elle ne voit pas mon numéro là. Voilà le lien de mon WhatsApp. Si tu n'arrives pas à voir ce que tu n'es pas censé me parler, tu as compris. Voilà le lien là-bas. Ce site-là. On fait un peu un temps de mouvement, pam, tu es en train de voyager maintenant pour acheter la marchandise pour revenir vendre. On t'a mis à terre il y a 6 mois, hein. Tu es encore debout aujourd'hui.
Les choisis, mon frère. Maintenant, je fais cette vidéo parce que je dois t'annoncer que tu es en train d'entrer dans une autre dimension. Écrivez cela, je rentre dans une autre dimension. Je rentre dans une nouvelle dimension, une dimension plus élevée. Oui. Merci Audrey. I got it for my mama. Rentre dans une dimension plus élevée. Et dans cette dimension, je crois qu'elle va commencer par le premier élément. J'allais le mettre en dernier, mais je mets ça comme premier. Tu es très, très, très attirante. Tu n'as pas remarqué que depuis quelques jours, quelques semaines, là, ta beauté, toi-même, tu restes comme ça, tu dis que mince, tu es belle. Donc, toi-même, tu te dis à toi-même, regarde, je suis belle. Donc, hein? Parce que ton aura est en train d'être nettoyée à une dimension et une rapidité. Oui. Ton pouvoir d'attraction. Prisca dit qu'elle a mis dragueur. Ton pouvoir d'attraction est donc. Tu ne fais même plus l'effort. Tu as pris mon huile mille faveurs là. Je vous ai parlé de l'huile mille faveurs, non? Lui, c'est là, je crois que ça a les vertus embellissantes. J'ai une de mes filles l'autre jour là. Bon, fille, elle a 40, peut-être 46, 47 ans. Hein. L'autre jour, elle m'envoie une photo pour le lavage. Elle devait faire son lavage à distance. Elle dit que ça me dépasse. Je suis belle, je suis trop belle les temps-ci. Mon lait est fini, mes cheveux sont. Ton lait fini. Hein? Aïe. Mel, ce que j'ai à dire ne t'intéresse pas. Tu dis que j'ai pris du poids, tu es mon docteur. Aïe. Tu es là comme ça. Gloire, bonjour. Ton lait est fini, là, ils ne savent pas. Hein? Tu jages jusqu'à. Donc, quand tu es au milieu des gens quelque part, on entre dans le bus comme ça, c'est que ta tête qu'on voit. C'est ton aura. Tu passes, les gens se retournent seulement pour te regarder, oui. C'est ton aura. Tu vois, on t'avait bloqué, on a eu la malchance sur toi là-bas. Ça, c'est l'une des confirmations que tu es lié à libérer. Ton frère t'a enfin confirmé que tu étais belle. Hein? Il n'avait jamais voulu accepter. Ton frère m'a refusé que tu es belle. Pourquoi? C'est quel genre de frère ça? C'est parce que le blocage plus qu'on avait mis sur toi là, c'est déjà parti. Maintenant là, quand tu vas mettre ta photo sur un dossier, tu envoies. Maman, ça va seulement passer. Tout ton lait est fini. Hier, beaucoup de gens te disent que tu brilles, ton visage est lumineux. Oui! Je brille, dis donc. Hier, j'allais faire un transfert en route. Le motoman t'a demandé le selfie. Tu es déjà devenu star, tu ne sais pas. Toi-même, tu as rajeuni, tu ne passes pas inaperçu avec les cheveux afro. Hier, tu allais au marché. Hier, les gens te regardaient comme si tu étais seule. Comme si tu étais la seule. Écoutez, quand ils vous donnent les signes comme ça, c'est que vous allez dire que, ah, oui, je suis belle alors, et pourquoi? Ce sont les signes. Et même les gens qui ouvrent la bouche pour t'apprécier, ils n'ont pas le choix. C'est comme si quelque chose qui les pousse, que dit à la fille là. Que tu es devenue belle, tu as beaucoup d'argent, tu manges seul. Voilà, ta peau, hein. Tu vas recevoir quelqu'un qui a la clim partout, dans la voiture, dans la maison, dans la cuisine, dans les toilettes. C'est ça. Bonjour Laetitia. Attends, tu te demandes quelle Laetitia là.
Attends, Laetitia, je vais chercher ton nom. Bonjour, Laetitia. Laetitia Ussule. C'est ça, non? J'ai oublié ton nom. Bonjour Edison, reine ou roi, je ne sais pas, je vois Edison seulement. Gale, tu as besoin d'une voyance. Bonjour le roi Mohamed, il faut te laver avec le sel. Tu suis mes vidéos pendant quelques temps et puis tu me contactes. Voilà, Elisabeth dit qu'on ne fait que me demander ce que je fais pour briller comme ça, tous ces jours-ci. Moi, avant-hier dans la nuit, au même moment, deux voitures se sont garées. L'un d'eux dit, waouh, mais je suis parti, je ne me suis pas arrêté. Après, si tu fuis, que ta soeur qui est aux États-Unis te demande le secret de ce que tu manges et le lait que tu mets sur toi. Voilà, il y a Ezima qui dit que une personne m'a dragué avec insistance pendant plus de 30 minutes. J'ai apprécié, mais j'ai refusé ses avances. C'est ton aura, vous me suivez, c'est ton aura qui attire. Ma reine, on a parlé ainsi en rigolant, mais c'est très sérieux. Moi, j'ai déjà vrai, et tu le sens en toi-même. Hé, hey, les femmes, c'est là. Bientôt, la phase des chocolats arrive. Attendez. La phase des chocolats, là, ça arrive. Non, ma chère, on va te donner le chocolat. Que maman, pardon, prend le chocolat. Je dis que c'est quoi? Elle dit qu'elle est femme. La semaine dernière, un monsieur vient vers toi. Tu crois que c'est pour un renseignement? Il te dit qu'il voudrait. Te dit que tu es belle. Tu vois, tu brilles. Aïe, mais c'est vous avez confirmé. Je brille ce jour-ci jusqu'à mai. Depuis, je cherche le travail. Comment tu viens encore gâter seulement, non? Que je brille, mais je cherche. Alors, tu viens gâter encore seulement, pourquoi? Quand tu dis que tu brilles, ferme ta bouche. Je brille, point. Apprécie d'abord ta beauté. C'est vrai qu'il y a des gens qui brillent, mais qui n'ont pas le travail. Le roi Pierre, tu dis qu'il a fait le chocolat, hein? Vous savez, la Bible dit dans Isaïe 43, versets 18, 19 et 20, que avant de faire quelque chose, Dieu va d'abord vous dire. Oui, il lui dit que les contrats veulent la tuer. Avant, tu sais que tu pouvais faire un an, personne ne te dit que tu es belle. Ce que tu vois souvent quand tu fais, tu te coiffes. Tu portes un nouvel habit que tu viens d'acheter là. Tu sors, tu te dis que non, on va me dire que je suis belle. Personne ne te calcule. Personne ne te calcule. T'as un petit one night. Tu te fâches. Non, ne te dérange pas, ma chérie. Ne te fâche pas. Maintenant, tu ne fais même rien. Tu portes tes mêmes habits que tu portais avant. Même l'huile là, tu mets seulement les petites huiles là. Huile de blindage, huile de faveur. Tu te laves seulement avec le sel. Tu sors comme ça, tu parles à quelqu'un. Tu demandes un truc rapidement. Que ouais, aide-moi non. Il te regarde comme ça, comme s'il est hypnotisé. Que ouais, ouais, je parle. Fais vite alors. Il est comme ça là. Il dit que c'est quoi? Il dit que maman, tu es trop belle. J'étais à Douala le week-end. Un homme véhiculé ne t'a jamais abordé, mais tu as eu deux bons dragueurs en véhiculé avec beaucoup d'argent. Seigneur. Aïe. Je ne me trouve pas exceptionnel, mais tu es jolie, ma chérie. Déjà, je ne sais pas. Bonjour maman, cette nuit j'ai vu dans mon rêve un serpent multicolore qui brillait jusqu'à. Le bracelet là me plaît, celui avec deux perles bleues. Les perles ne sont pas bleues, elles sont noires. Je ne sais pas comment vous voyez que c'est bleu, c'est noir en fait. Les perles sont noires, c'est la tourmaline. Oui. Bon, je vais essayer de voir si on peut. Je crois que je vais en fabriquer.
La tourmaline. Là, c'est l'améthyste. Ça, c'est la tourmaline. Passer encore la tourmaline. Ça, je ne sais pas lequel c'est. Oui, j'ai le nom de ce qui brille ici, là. Tu as besoin d'une délivrance. Là, vous avez le sel. C'est que vous simplifiez le sel jusqu'à. Bon, ceux qui viennent d'arriver, je suis en train de vous donner dans ce vidéo des signes que vous êtes devenus choisis. Votre problème, c'est que quand il met les choses à vendre, vous ne vendez, n'achetez pas. Voilà ça aussi. Bon, mais vous n'achetez pas. Moi, quand je vais investir sur quelque chose, je me dis toujours que, ok, si ce bracelet, je l'achète, ça particulièrement, je l'ai acheté à près de 35 000 francs. Ça. Et je suis sûr que ça m'a déjà donné l'argent, ça m'a déjà donné au moins 350 000 depuis que c'est sur ma main. Comment recharger les pierres? Ma chérie, tu utilises tes pierres pendant 5-6 mois, achète d'autres non. Si tu achètes une pierre à 8 000, tu vas encore recharger comment? Est-ce que c'est des bijoux de or ou c'est en plaqué ou c'est en or? Je pensais à ça l'autre jour du matin un peu. Les gens veulent toujours recharger leurs pierres, recharger leurs pierres. Quand tu tapes vraiment dans l'abondance, personnellement, quand j'investis sur quelque chose, je suis trop, comme on dit que par intérêt là. Regardez par exemple ces choses-ci là. Quand j'ai pris l'améthyste-ci, j'ai acheté ça en Europe, que quand il a pris, il est venu avec. Quand moi j'investis, jusqu'à dire que je prends quelque chose, la chose là doit me produire. Il go give. Oui. Donc, supposons que tu prends ce bracelet, tu mets sur toi. Tu dois savoir que le temps que tu mets sur toi, les ondes négatives qui te bloquaient, peut-être qui bloquaient tes idées, qui bloquaient ton attraction, qui bloquaient ceci, qui faisaient peut-être que tu as envie de faire quelque chose, tu ne le fais pas parce que tu es fatigué. En fait, c'est comme ça en fait. L'argent vient par l'action. Et généralement, tu n'agis pas parce que tu as pas prévu de faire quelque chose à l'heure là, tu es fatigué. Donc si tu dépenses 8 000, tu achètes un bracelet ou 10 000. Je vous ai parlé des bracelets l'autre jour. Ça. Vous avez peut-être dit que ah, j'achète ça pour faire quoi avec. Tu dois arriver à un niveau où, je crois que ça c'est même encore notre signe des choisis. Pour savoir que tu es choisi, tout ce qui est spirituel a de l'importance pour toi. On ne doit pas te forcer. On ne doit pas te forcer. Parce que vous aimez ça. Que je me mets dans la vidéo et cela, je crie. Je crie ça va. Achetez! Achetez! Oh, achetez! Non, je ne connais pas moi crier pour le commerce. Par exemple, voici les bracelets mauvais œil là. Voilà ça. Le bracelet mauvais œil. Ah, c'est le bracelet mauvais œil avec la tourmaline. C'est ça qu'il vous dit comment. Tu achètes un bracelet de 8 000. En une semaine, tu dois avoir déjà 80 000 qui est entré dans ta poche. Commence, chaque fois que tu investis sur un travail spirituel, commence à mettre dans ta tête le target. Que ce soit 10 000. En une semaine, je dois avoir 100 000 qui est revenu. Et je vous disais hier que je ressemble à la poupée Mouloum. Merci.
Je parlais tout à l'heure de la beauté des choisis. Donc, tu sors l'argent, peut-être tu dis que bon, j'achète telle chose. Si tu sors ça là, je l'ai vendu à 12 000, ça. Ça, c'est 12 001. Donc, on a 12. Et ceci, c'est 8 000 chacun. Cela. Ceci aussi, il y en a pour la hanche, pour les hanches, et il y en a pour les chevillères. C'est les pierres qui sont les pierres bamilikées là. Ça, c'est 20 000, ça. L'autre aussi que je tourne là. Donc, normalement, tu ouvres comme ça. Tu ouvres. Et tu tiens ici, là, tu tires, ça monte. Voilà. Ouais, tu tires. Comme ça, tu sers ça. TikTok. Que je suis belle, elle. Merci. Donc, si vous commandez pour les hanches, précisez quand vous écrivez. Le numéro est sur TikTok, c'est dans la bio. Il y a un numéro bit.ly. Et si vous me suivez sur Facebook, cherchez le numéro sur la page. Je ne vous contacterai pas. Il y a des scammers qui ont pris ma photo, comme je suis leur star. Ils ont créé un profil avec. Et ils vont vous écrire en inbox. Je ne vous écrirai jamais. Si tu écris, il te répond. Mais non, il ne t'écrit pas moi. Il ne te dit pas ma doudou, mon bébé, bonjour. Donc faites attention aux scammers. Donc, à Douala, c'est à Makepe. Prenez le numéro. 693 50 22 66. Donc voilà, pour 20 000 là, voilà ça. C'est à Makepe. Prenez juste le numéro, vous pouvez venir acheter. Parce que je faisais d'abord les bracelets normaux aussi. Avec les cordes comme ça, ça c'est toujours disponible. Mais je me suis rendu compte qu'il y a parfois tu t'habilles, tu veux avoir une touche de un peu comme quelque chose qui ressemble à l'or sur toi. Donc c'est pour ça que j'ai commandé ceci-là. C'est venu de l'Angleterre. Ça aussi j'en ai en sept chakras. Il y a les sept chakras comme ça. Il y a l'améthyste aussi. Voilà. Donc, vous prenez le numéro 693 50 22 66, vous appelez. Ok, donc comme je disais, quand tu es choisi, pour savoir, c'est parce que tes intérêts ont changé. Avant, tu avais l'argent, tu voulais seulement aller acheter la perruque. Tu voulais acheter la greffe. Bonjour ma chérie, merci pour les cadeaux. Je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a donné des cadeaux depuis là. Merci. Je les retourne 100 fois, multiplié par 100. Comme tu investis et tu donnes chez moi, que ça te retourne. Multiplié. Ok. Donc, tu vas te rendre compte que avant, peut-être, quand on parlait des trucs spirituels, merci Mina. Quand on parlait des trucs spirituels, toi, tu n'avais pas. Ça ne t'intéressait pas. Mais maintenant, tu peux sortir ton argent, tu achètes une huile. Tu achètes une huile bénie, tu achètes un produit peut-être pour te désenvoûter, tu achètes le sel peut-être pour te laver. Oui, renouvelle tes bijoux, ma chérie. Et tu peux te décider, tu achètes beaucoup de bijoux, tu mets sur toi. Vous voyez que j'en ai beaucoup, non? Oui, j'en ai beaucoup. Ok, Nafi, j'ai reçu ton message. Tu m'appelles depuis hier. Tu m'as appelé hier à 21h49, dimanche. S'il vous plaît, respectez un peu, respectez-moi. Voilà. Je lève, je commence à m'appeler les gens. Pensez-moi pourquoi. Et si tu es dans le direct, là, il faut faire attention. Formation Sirène Siro, est-ce que tu es dans le groupe déjà? J'ai créé un groupe pour ces personnes. La formation a déjà été enregistrée. Donc, c'est cette semaine-ci là que je dois vous prendre. Donc, est-ce que tu as déjà payé? Parce que quand tu demandes que la formation, je parle de ça depuis une semaine. Depuis une semaine que je parle de la formation des sirènes et des siroirs.
Maxime Akoro, bonjour et merci pour le. Ah, c'est toi qui m'envoies les trucs de bière. Merci pour les fleurs. Est-ce que tu es dans le groupe? Tu es dans le groupe, Sandy. Parce que si tu es dans le groupe et que tu vas m'écrire, il ne va même pas arriver dans mon groupe. Tu as compris? Parce que moi, je vous connais. J'ai même déjà dit que je ne prends pas n'importe qui dans ma formation. Si tu es déjà dans le groupe et que tu n'as pas écrit dans le groupe, je vais voir qui tu es et je vais te rembourser. Je vais t'enlever. Tu as compris? Je ne blague pas. Ne venez même pas ne me tenter même pas. Ne me cherchez même pas. Tu connais les numéros auxquels je réponds. Pourquoi vous venez avec vos esprits là? Moi, elle est déjà, je vous détecte à distance. Je vous dégage. Vous ne me stresserez pas. I will not take stress because of you. Never. Ceux qui m'ont appelé ont dit que je ne serai pas stressé. I will never be stressed. Non, mamie, je te dis moi non. Tu dis que tu m'excuses comment? Tu ne savais pas. Je te dis maintenant que va sur le numéro là où tu as payé. Tu écris. Parce que vous avez les pseudos aussi, ils ne savent pas qui tu es. Et tu viens prendre mon espace pour rien. Je dois savoir qui tu es parce que je ne vais pas te former. Je vais te rembourser ton argent. Voilà. Je vais te rembourser ton argent. Le tout, c'est que vos esprits-là ne peuvent pas se cacher. Je les détecte. Je vous détecte à distance. Je vous détecte à distance. J'ai beaucoup de décepticons que vous venez comme ça dans mon inbox. J'ai une autre comme ça l'autre jour. Je la prends en consultation. L'esprit me dit que ne consulte pas la femme-ci. À l'instant, ma secrétaire dit elle a demandé qu'on la rembourse. Mais j'ai dit mais attends, j'ai demandé qu'on la rembourse rapidement. Des esprits bizarres là. Vous êtes parti pour où? Vous partez en ligne, vous portez les choses, vous portez ça n'importe où. Pas t'écouter les choses, ça met les esprits dans vous. Il y a la peur, il y a la ceci. Après, tu viens, tu me vois. Ma vie ne donne pas. Tata, là, je vais te bloquer. Que, allô, allô, quoi. Je crois qu'elle va arrêter le direct de TikTok si elle va aller sur mon Facebook, calmement. Le problème des gens avec TikTok, c'est parce qu'il y a trop de mauvais esprits sur TikTok. Vous partez ramasser n'importe quoi. Et quand on enseigne, vous n'écoutez pas. Trop de mauvais esprits. Je ne suis pas distraite, je dois les adresser. Si elles n'adressent pas, je sais ce que je suis en train de faire. Vous voyez que quand Marcos au Baba décide de bavarder, il insulte les gens là. Est-ce que c'est qu'on va le prendre pour 5 francs? Il y en a parmi vous que quand on vous lit, quand on lit seulement ton bonjour, seulement bonjour, on voit avec quoi tu es en train de venir. Restez là que vous êtes soumis à des qualités d'esprit la nuit. Des qualités d'esprit bizarres la nuit. Tu te lèves le matin comme ça, tu ne sais pas que tu es télécommandé. Tu ne sais pas que tu es télécommandé là où tu es là. On dit lave-toi avec le sel. Je me lave souvent hein, à Noël. Tous les Noëls, je me lave avec le sel. On dit que tu es censé te laver avec le sel 700 fois par année. 700 fois, tu te laves deux fois, tu viens parler.
Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais d'être sage, c'est tout. Tout est permis, mais tout n'est pas bien pour toi. Et dans tout, vous devez rechercher la pureté. Que quand les gens veulent vouloir faire, la chose qu'ils veulent faire, c'est là. Quel est mon motif? Quel est mon motif? Est-ce que je suis, est-ce que mon corps est pur? Est-ce que mon cœur est pur comme je suis en train de vouloir faire là? C'est très important. Parce que vous, beaucoup d'entre vous là, je vous connais. Vous êtes des Decepticons. Vous êtes des Decepticons. Decepticons de première classe. Prostituées spirituelles. C'est pour ça que vous chassez. Généralement, ils viennent à mon Dieu, ils chassent les gens. Il dit partez. Partez. Je ne suis pas ici là pour tout. Je ne suis pas appelé à tout le monde. Je connais déjà ça. Parfois, tu peux travailler sur quelqu'un. La personne a fait tout ce que tu crois que tu n'es même pas appelé. Parce que c'est un Decepticon. Tu as donné les instructions, il n'a pas fait. Tu dis fais comme ça. Il paye de faire pas. Puis il dit que ça n'a pas marché. Tu demandes que tu as fait, il ment. Mais non, j'ai fait. Tu te laves avec le sel. Oui, je me lave avec le sel. Alors, on a tout menti. Tu commences la consultation bloquée. Bloquée. Tu dis, mais attends, tu commences à t'interroger que, mais attends un peu. Je connais mon appel. Je connais qui m'a envoyé. Donc parfois, vous là, vous-même là, vous aimez votre trou dans lequel vous êtes. Vous aimez. Tu suis 50 mètres spirituels bizarres là. Le genre de page, quand tu as dit, même seulement la musique, ça fait un jar dans ton corps. Mais c'est ça qui t'attire. Tu pars, on te met les photos dans la tête. Que tu es bloqué. Ça, c'est, tu es bloqué ici là, tu es bloqué. Il dit que pourquoi saturer l'esprit des gens? Et vous aimez ça. La spiritualité est simple. Gardez la pureté de votre cœur. Que ton cœur soit pur. Face à la pureté, les ténèbres ne peuvent rien. Tu es abonné à 5 mètres spirituels. Dans la nuit, les serpents sont en train de te déranger. Non? Ton cœur est noir. Ton cœur est noir. Il dit souvent aux gens d'avoir un cœur pur. Je parlais de beauté ici tout à l'heure. Vous allez voir, il y en a parmi vous, je vois, quand je vous rencontre souvent, je vois. Je suis aussi là simplement comme ça. Souvent, je suis en train, quand il fait les réunions, il fait les messes là, quand vous venez, je m'assois, c'est pour vous voir tous dans l'assemblée. Je vois les démons qui sont sur vos têtes là. Tu veux notre assise comme ça là? Qu'elle te regarde comme ça là, que dans son cœur, elle te déteste, tu ne sais pas pourquoi. Elle va venir avec l'hypocrisie. Ma reine, je vous connais, oh. Je vous connais, oh. Écoutez, hein, vos trucs là ne peuvent pas m'atteindre. Vous allez arriver devant moi, vous allez vous asseoir, vous allez me regarder comme ça là. Vous serez apprivoisé. Vous allez être apprivoisé. Les démons qui sont en vous là, ils seront apprivoisés. Ma lumière. Je vous dis tout que si ce n'était pas, si c'était moi qui me suis appelé, je me suis levé un matin et dit que ah, ça passe sur les réseaux sociaux, il faut que je fasse. Ce que je ne tiens plus, ce que je ne suis plus là. Gardez la pureté dans votre cœur. C'est la porte d'accès pour le Seigneur Jésus. C'est la pureté. Je vous dis tout, cette femme, c'est que j'ai travaillé sur elle. C'est parce qu'elle ne connaît pas ton nom, je t'aurais bloqué de mes pages. Elle vient l'année passée vers septembre, octobre. Maximum novembre. Avec ses deux enfants. Ouais, vraiment. Leur père est en benne depuis. On fait les paquets, ça ne marche pas. On fait ça ne marche pas. Je travaille sur elle, je travaille sur ses enfants. Et vous allez voyager. Elle obtient le visa et voyage. Elle ne me dit pas. Ça ne me dérange pas. Quand je priais, son l'esprit me dit embauche un de ses enfants. J'écoute ça, mais après je dis ah. Moi, il y a tellement cherché à embaucher les gens ici là. Ils viennent, ils font comme si tu les as forcés.
Le lendemain, il me dit, mon fils cherche le travail ici. Mon fils cherche le travail, est-ce que tu peux l'embaucher? Il dit que moi-même, j'ai entendu ça hier, mais je n'ai pas voulu te dire quelque chose. Parce que moi, j'ai déjà connu, je connais à toutes les mauvaises choses des gens ici. Non, parle comme ton fils. Je prends l'enfant. Je prends l'enfant. Et quand tous mes employés connaissent, je leur parle toujours comme votre soeur, votre grande soeur. Et je vous dis tout que celui qui veut écouter, écoute. Celui qui ne veut pas écouter, tant mieux. On reste tout le temps enfant, fait que dit que je pars à l'hôpital. Que j'ai une maladie qu'on ne peut pas donner le nom. J'ai rendez-vous avec tel spécialiste. L'enfant partait faire son visa. Hein. L'enfant partait faire son visa. Elle m'a mettait en banque. Je croyais qu'elle était en pays. Chaque mois, l'enfant fait partir une fois, deux fois. Chaque fois, une fois, deux fois. Je dis, mais c'est quoi ça? Après, il dit même à mon chef du personnel que il faut voir si l'enfant n'a pas un truc particulier pour qu'on l'en. Je dis, maman, ça m'atteint. Maman, vraiment, ton enfant est trop malade. Il faut que tu travailles encore sur lui. Je ne comprends pas, moi, ça. Que l'hypocrisie de la dame, elle savait qu'elle faisait le papier de son enfant, elle ne me dit pas. Pour couronner même le tout, une fois, il tombe malade, je crois qu'il est hospitalisé. Je prends même l'argent, je dis que, parce que ceux qui travaillent pour moi, en tout cas, ils vous le confirmeront. Quand tu es malade, je prends, il y a même l'argent, quand tu es malade, je peux t'envoyer que donner lui l'argent de la maladie. J'envoie l'argent de la maladie. Il reçoit l'argent de la maladie, ce qu'il a dit merci. Alors qu'il n'est pas malade. Je rencontre les qualités ici en ligne. Hein. Après, je lui dis que bon, il faut peut-être que tu fasses tel sacrifice. Il faut qu'il parte faire le salaka parce qu'il est trop malade. Je m'inquiète pour la. Souvent, on me voyait, je ne veux pas qu'on m'approche parce que je connais vos cœurs. Vous êtes trop noirs. Vos cœurs sont noirs. Mais ceux qui sont plus de cœur, vous allez me voir comme ça. Vous me voyez pour rien. Vous me voyez, on se voit parce qu'il y a la lumière en vous. C'est l'enfant qui m'écrit. Il me dit vraiment, je dois te dire la vérité. Je suis en bain. Hey, le jour là, c'est comme ça là. Il dit plus jamais. Plus jamais. Si tu m'écoutes encore, je n'étais pas encore bloqué parce qu'il ne voit pas ton nom. Je suis resté comme ça, je dis que mince. Non. J'étais dépassé. Quand on me voit Baba d'ici là, je. Oh, vous m'avez fait ça, hein? Vous m'avez fait ça. Je vous connais. Je vous connais. Je me suis demandé que donc je vais prier pour ton enfant. Quand il va vouloir partir, je vais encore faire pour qu'il ne parte pas. Non. Dis-le, pardon. Please. C'était le visa que tu voulais, non? Vous êtes tous partis, non? C'est bien. C'est pour ça que je dis souvent, quand je fais les trucs, je dis que venez témoigner. Il y en a qui ne témoignent pas. Tu parles, des choses marchent, tu oublies. Le diamant seulement dit que oui, ça a marché. Vraiment, merci. Parce que je ne veux pas que les gens sachent que ce que je fais marche. Ce que je fais marche, et je sais que ça marche. Maintenant, je vous dis encore, je ne veux pas les Decepticons. Et quand vous venez à distance, je vous vois. Je vous vois. Ah! Non, moi, je ne tomberai plus dans vos bêtises, là. Tu viens un peu t'appeler, genre, je te chasse. Non, ton ami, ne t'appelle pas. Il veut me poumonner sur toi. Donc, je vous ai dit, pour savoir que tu es choisi, pour savoir que tu es choisi. Tu vas voir comment me rencontrer quand tu mets tes pieds au Cameroun. Même pour me voir là, no easy. Il y a une de mes filles qui est arrivée chez moi l'autre jour. Elle a tapé 4 heures de temps dans ma cour. Elle a attendu. 4 heures. C'est quand elle était en chemin pour rentrer que je l'ai appelée. Que oh, mamie, je suis allée à la fille ce qu'elle faisait. Donc tu vas voir en tant que choisi que les choses spirituelles, c'est facile pour toi de faire. Tu restes peut-être comme ça là, tu vas acheter ton truc. On te parle de kit peut-être, tu vas acheter le kit. Tu achètes tes bracelets. S'il fallait faire le salaka au village, ça ne te dérange pas, tu sors ton argent, tac, tu pars, tu achètes. Et tu vas voir que les choses qui te plaisaient avant, ça ne te plaît plus, ça a changé. Tes goûts ont changé.
Voilà, Ange, tu avais passé toute la journée, c'est super. Ce n'est même pas que l'homme est mauvais, Yoli. C'est seulement que l'hypocrisie de l'homme. Et pour moi, cette personne, genre de personne, je n'aime pas traiter avec parce que si mon cœur est pur sur toi et toi tu te méfies de moi, ça veut dire que toi ton cœur n'est pas pur avec moi et tu peux me faire du mal. C'est dans ce sens-là en fait. Vous savez, il faut beaucoup vous méfier des gens. Si moi je suis avec toi, je suis un cœur. Toi tu fais ce que tu me dis pas, ça veut dire que toi tu peux me faire du mal. Ça veut dire que mon cœur est blanc sur toi, mais ta part là n'est pas blanc, c'est gris. C'est gris, ça tend vers le noir. C'est dangereux. C'est des gens comme ça qui ils font des actes de jalousie, ils empoisonnent souvent les gens. Parce que tu es avec la personne, tu es toi comme tu es là. Tu as ta chose que tu dis. La personne là, ça ne te dit pas. Et c'est même pas vos meilleurs amis. Donc faites attention, faites attention. C'est plus pour te protéger. C'est même pas que la personne est méchante ou quoi que ce soit. C'est juste l'hypocrisie là, l'hypocrisie. Donc on continue maintenant l'enseignement. Je te libère, sors d'ici. Un des signes qui va te faire savoir que tu es choisi, c'est quoi? Tu vas commencer à te sentir très riche. C'est-à-dire, tu arrives quelque part. On dit que c'est quoi? Tu vois, les gens discutent. Oui, ici, là, c'est. Tu dis que j'achète tout l'assiette. Tu achètes même, tu fais les gens s'asseoir, ils mangent. Donc, tu vas sentir une certaine. Donc, tu vas dépenser ou bien tu vas agir comme si tu as beaucoup là-bas derrière. Tu vas acheter parce que tu as beaucoup. Bonjour, Véridique. Là, c'est un des signes que tu peux savoir que tu es choisi. Tu marches, tu avec les gens, ça, tu payes le taxi. Et tu sais que c'est là que tu vois le genre d'amis qui marchent avec toi seulement pour profiter, non? Que si c'est le poisson brisé, tu vois, quand tu viens de Ming, les gens s'attendent à ce qu'elle vienne de Ming, non? C'est elle qui va dépenser sur nous. Donc, tu te comportes comme une Mingiste, en fait. Tu vois, non? Tu prépares, tu donnes à manger aux gens. Ah, si elle passe au quartier, va-t-il manger chez elle? Et ça ne te dérange pas. Tu as une certaine. Tu sens la prospérité en toi. Et tu veux aussi beaucoup donner. Tu cherches toujours comment apporter. Mais cette fois-ci, tu n'apportes pas comme une idiote. Tu sais apporter avec une certaine. Tu n'apportes plus en disant que ah, j'ai donné après moi utilisé. Non, 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 ce n'est plus comme ça. Tu donnes vraiment avec. J'apporte pour servir. Ceux qui étaient dans la prière ce matin sur Zoom, je vous ai montré, on a lu Ésaïe 58. Je partageais avec vous la méthode. Donc, quand tu sèmes peut-être quelque chose ou quand tu donnes, tu parles dessus. Voilà, tu donnes même les pourboires. Et tu commences à faire maintenant de telle façon que quand tu as chaque interaction que tu as avec quelqu'un, tu sors de là gagnant-gagnant. Parce que les gens qui ne sont pas choisis sont les personnes qui, généralement, quand il arrive quelque part, il veut toujours se tirer un peu plus que prévu de la personne. Un choisi, quand il arrive, il veut que la personne soit contente. Tu prends même le taxi comme ça là, tu arrives à destination, la personne dit 1500. Alors qu'au début, vous avez discuté. Ça m'arrive souvent. Je prends le taxi. On discute. Ouais, je vais te donner 2000. Il dit que non, donne-moi 2500. Je discute. J'arrive à destination. On s'entend sur 2000. J'arrive et je donne 3000. Je pars. Celui qui va voir la fille là. Oui. Donc tu as ce truc-là que tu veux toujours sortir de. Tu veux sortir d'une relation ou d'une interaction que tu as avec quelqu'un et que la personne est contente. Les choisis sont les agents de lumière qui veulent toujours apporter une sorte de paix là. Quand tu finis avec les gens, tu veux toujours qu'ils soient heureux. Par contre, le contraire, c'est quoi? Les personnes, quand tu finis avec quelqu'un, tu vas rencontrer déjà les personnes là. Il a une aura très négative. Quand il finit, tu prends le taxi, quelqu'un, tu arrives, tu vas le taxi que tu prends, non, tu lui dis que 500, tu donnes ta destination. Attends, il y a un supermarché à côté de chez moi. À chaque fois que j'arrive, il sait que je vais leur donner quelque chose à presque tout le monde. Aïe, ouais, c'est ça. Donc, toi, maintenant, tu sais que tu prends le taxi, non? Tu dis 500.
on arrive peut-être au carrefour maçon, supposons. La personne arrive au carrefour maçon. Le chauffeur, déjà, c'était dur parce que normalement, on perd 800. Mais tu as dit 500, tu as tellement discuté. Maintenant, on arrive au carrefour maçon. Tu dis au chauffeur que, bon, lui, avance un coin un peu là-bas. Il avance, il veut te déposer. Tu dis que non, tourne à gauche. Après, tu dis que non, 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 oui, ok. Avance à gauche, tourne à droite. Il tourne à droite, il tourne, sa voiture cogne les trous, coudoudou, coudoudou, ça l'énerve. Mais madame, pourquoi on ne m'a pas dit que c'est ici? Madame, madame, il se fâche. Oh, de, si, ouais, ouais, pardon, ouais, 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 c'est encore là-bas. Finalement, il conduit encore avec toi 4 minutes. Pour tes 500. Et en sortant, tu donnes 500. Tu donnes un vieux billet. Tu sors, il est mécontent. Le prochain client, il déverse la colère sur lui. Ça, si tu as le genre de gars là, si tu as amiable le genre de personne, fuis la personne. La personne a une très mauvaise énergie. Très mauvaise énergie. Ce genre de personne qui va te dire que oh, tout le monde me déteste. Et ça que les gens n'aiment pas. Hein? Non, de toute façon, tu portes une mauvaise énergie sur toi. Au lieu de payer 1000 francs, tu as payé 5000. Hé, hey, la reine Yvette, toi, tu as alors fait fort. Il était stupide. Il tue sa main à genoux pour te dire merci. Il t'a remercié jusqu'à. C'était un père au volant. Oui, oui, les pères sont souvent très gentils. Si tu as le genre d'amis là, ce genre de personne qui va trop se plaindre. Hé, hey, le chauffeur là, tu as vu comment il nous a parlé? Hein? Il veut lui montrer. Il connaît encore quoi? Tu as vu comment il faisait? N'est-ce pas, lui a dit qu'on partait après le carrefour maçon? Toi-même, tu sais que il a dit que carrefour maçon. Il n'a pas dit qu'après le carrefour maçon. Tu étais là, tu sais qu'il a dit carrefour maçon. Tu as déjà de marier là, ma chérie. Il faut beaucoup prier. Parce que vous allez vous engueuler à la maison tous les jours. Tous les jours. Les jours. Les choisis aiment toujours laisser les gens qui sont contents. Le choisi, c'est ça. Tu deviens porteur de bonnes nouvelles. Parce que quand tu quittes la personne, il est content, il te bénit. Tu quittes la personne, il est content, il te bénit. Et l'opposé du choisi, là, généralement, hein, pour qu'il fasse le salaka aux gens, le jour où il va faire le salaka, hein, il va mettre sur Facebook, il va publier partout. Ou bien en donnant, il vient. Ouais, vraiment, je viens pour vous faire un don. Voilà. Oui, parce qu'on a vu les conditions ici. C'était pas vraiment. Oui, mon équipe et moi, on a jugé que vous devez. Vous avez quand même besoin d'un peu d'argent pour vous en sortir. Alors que le choisi va aller faire le don anonyme. Don anonyme. Celui qui n'est pas choisi, le jour où, par erreur, c'est lui qui porte l'enveloppe pour aller donner. Donc peut-être une réunion ou une association décide de faire un don quelque part et c'est lui qui est le porteur de l'enveloppe. Oh, 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 oh. Voilà, je rappelle que, voilà, nous avons jugé que les conditions ici n'étaient pas, voilà, j'ai dit à ma femme qu'il faut qu'on vous fasse un don, alors que c'est sa femme qui court derrière lui depuis 2 semaines. Elle le supplie depuis 2 semaines. Ouais, prenons l'argent pas de mon jardin. Donc voilà, j'ai suggéré à ma femme et moi, voilà, je lui ai dit, chérie, il faut qu'on aide les gens là. Vraiment, voilà. Donc, vous voyez, nous avons pensé que, voilà. Ouais, vraiment, voilà. Les gens là commencent à dire, merci. Merci. Oui, vraiment, de rien. Hein? Vous avez raison. Hein? J'ai été dans une relation comme ça. Et vous me connaissez, moi avec mon cœur, je connais tout donné. J'ai dit que ça m'énervait souvent. Hey! Celui qui porte seulement l'argent, il est capricieux.
faisait les problèmes. Fallait voir quand on devait aller donner quelque part. Tu peux dire, ok, on va donner l'argent à tel mais non. Il dit, donne-moi pas donné, donne-moi pas donné. J'ai stressé tellement, il dit tous les jours que, écoute, donne, ça va ouvrir tes portes. Écoutez, les lois spirituelles, c'est pas la blague. Tu vas voir quelqu'un, il manque. Tu lui dis que dès qu'on te donne, il faut donner. Parfois, non, pour le tester, parce qu'il ne va jamais accepter qu'il a. Vous partez ensemble quelque part, vous travaillez ensemble. Il entre dans le bureau de la paye, il sort. Tu sais que là où il est là, on l'a payé. Hmm? Toi-même, tu pars aussi, on te paye. Vous deux, vous êtes là. Et voilà, je vais même pas l'argent pour payer le taxi. Oh. Tu es dans ton cœur, tu dis que même. Adama, on vient de payer, non? Il a l'argent dans sa poche, il est en train de penser manque. Quand on dit que ce qui te manque, ce n'est pas l'argent. Tu n'as pas un mindset d'abondance. Vous la dîme, alors n'en parlons plus. Quand j'étais avec la personne, parfois quand il payait ma dîme, parce qu'il n'aimait pas entendre parler de la dîme, ce que je faisais, c'était quoi? Quand il veut payer ma dîme, je viens à côté de lui. Moi-même, si là, j'ai été trop patient dans ma vie. Il vient à côté de lui. Il dit, ouais, on peut sortir, on doit sortir bientôt. Je dis que non, attends, il paye ma dîme. Je fais comme ça, je paye. Je prie, je parle, je fais. Je crois que, en parlant comme ça, la personne va se dire, ah, comme il paye sa dîme, il faut qu'il paye aussi ma part. J'ai donné rendez-vous au bailleur. Il ne nous a jamais rappelé. On a appelé fatigué. Il n'a jamais rappelé. Donc, ce n'est pas que j'ai refusé, c'est que le bailleur ne m'a plus recontacté. Donc, il faut lui demander s'il a finalement pu parler avec le bailleur. Parce que le débat ne décrochait pas. Voilà. Tu payes avant que je te programme pour la consultation. Je consulte cet après-midi. Tu payes avant que je te confirme la consultation. Je consulte aujourd'hui à partir de 10h, je finis à 15h. Donc tu payes avant que je te donne la date et l'heure. Voilà. Ne me chantez pas, ne me faites pas chanter pour me donner la dent. On paye la dîme comment? La dîme, c'est 10% de ton revenu. Non? La dîme, c'est 10% de ton revenu. Tu as un dragueur comme ça, il dit ça, lui, il arrive souvent de laisser sa voiture et prendre un taxi pour rencontrer les gens du peuple et réaliser les difficultés auxquelles ils font face au quotidien. Ah yeah, elle dit qu'elle est farfelue. Oh, dès que tu me dis ce qu'il dit, je peux voir l'énergie de la personne. Ah yeah. Le conseil en euros, c'est 62 euros. Je suis sûr que si tu checkes, le gars a été pauvre dans sa vie. Parce que c'est fou, mais les riches ne sont pas arrogants. Les riches ne sont pas arrogants. La plupart du temps, tu t'es approché de quelqu'un que tu voyais de l'autre, c'est que, ah, celui que l'homme là est. Quand tu es arrivé vraiment devant la personne, tu as vu que personnellement, en tout cas moi, je me suis rendu compte, mais attends un peu. C'est plutôt son staff, c'est les gens qui sont autour de la personne qui sont durs ou bizarres. Mais lui-même là, non. Et c'est quelqu'un qui est. Pardon, ne l'insultez pas parvenu, pardon. Il est seulement comme il est. Ne l'insultez pas. Ce n'est pas parvenu. Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas insulter les gens. Il est juste à son niveau. Il va grandir, il va ouvrir, il va s'ouvrir.
Ce sont les nouveaux riches qui font genre tout le monde doit baver devant son argent. Non, non, non. Tu vois, comme ça, tu dis que, mais attends, il est tellement simple. Oui. C'est une énergie en fait. L'argent, c'est l'énergie. Oui, tu peux envoyer par mon écran. Écris en inbox, tu demandes les détails. Ma secrétaire va te donner. M'a dit comment faire le salaka. Le salaka, c'est juste de donner aux gens. Non. Tu peux donner à manger, tu peux donner à boire, tu peux acheter peut-être du miel, du lait, du sucre, du riz. Et tu donnes aux gens. On ne paye pas seulement la dîme chez les pasteurs. Non, la dîme, ça se paye chez la personne qui te nourrit spirituellement. Donc, la dîme se paye là où tu es nourri spirituellement. La dîme et les offrandes sont différents. Je serai payé en août, donc je veux faire ça. Août, c'est loin, ma chérie. Pourquoi tu attends 2 mois pour faire? Tu dois faire le salaka toutes les semaines. Tu dois donner. En fait, le salaka, c'est de donner aux gens. Tu n'as pas envie de dire que tu as passé 2 mois sans donner quelque chose à quelqu'un? Merci beaucoup, Ali. Tu peux passer 2 mois sans donner. Native Fox, va chercher à regarder cette vidéo. Je ne vais pas m'arrêter pour te parler alors que tu viens d'arriver sur ma page. Pour me montrer que tu mérites mon attention, va regarder mes vidéos. Tu écoutes d'abord si ce que je dis t'intéresse. Donc, j'étais en train de donner les signes pour savoir que tu es choisi. Donc, je parlais de l'abondance. Tu as un dragueur, il arrive quelque part, il veut se faire voir. Il dit que, oh, il perd le champagne pour tout le monde. De rien, Fox. Ouais, Seigneur. Oui, il y a des personnes qui sont très hautaines. Donc, Diamond dit, depuis que je donne, les portes s'ouvrent. Oui. C'est une loi de la nature, en fait. C'est une loi. Va te mettre sur le 20e étage d'un immeuble. Saute un peu, tu vois. Saute un peu, tu vois. Priez pour Ramélie. Ramélie à quoi? Il faut quoi? Arrêtez de venir justement les prières. Vous aimez trop donner les... Quand tu demandes une prière, tu veux savoir ce que tu désires? Il vous a dit que ma page, c'est pas une page de mendicité. Oui. Bonjour. Tu vas prendre la vis là-haut. Je ne sais pas. Tu as d'abord jeté pourquoi. C'est ici. Il faut une clé bizarre pour retirer. C'est là. Ça ne se retire pas comme ça. C'est pas avec le tournevis normal. Donc tu as d'abord acheté la clé, venir démonter avant d'aller chercher. Deuxième option, tu portes la chaise, tu pars avec là-bas. Ah, tu veux que je te dise pourquoi? Tu vas d'abord la vis, tu jettes pourquoi? Et c'est parce que je te dis, pardon. Je suis en train de faire mon direct. Donc tu vas trouver toi, tu vas trouver toi-même. On peut aussi donner les portes se ferment. Nat Fox, je t'en prie, ne parle pas dans le direct aujourd'hui. Tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Ne parle pas. Je t'en prie. On peut donner les portes se ferment. Ce que tu as donné avec le mauvais cœur. Déjà, la personne, quand tu me donnes, tu dis voilà mon dernier argent que je vous donne. Voilà mon dernier argent que je vous donne. Vraiment, vous aimez trop m'exploiter. Bien évidemment que ton argent va partir. Hein? En Chronique chapitre 29, quand David donnait, il dit que j'ai moi-même donné les offrandes pour construire le temple. Maintenant, je ne prends que ceux qui vont me donner avec le bon cœur. Que si tu veux donner et ton cœur n'est pas bon, ne donne pas. Si ton cœur n'est pas bon, ne donne pas. Je m'en serrant les fesses. Maggie, fais un TikTok. Pardon, continue mon Dieu, continue ce qu'il disait. Si elle se bat, il est commenté un TikTok. Hit that blonde line on the front line. Elle est malade, c'est votre fille, vous l'avez vue. À bébé fashion.
Je ne connaissais même pas son nom. Hein. Bonjour Yann, merci. Je vais chercher son numéro, je vais l'appeler. Je vais appeler son patron de son numéro. J'avais donné des instructions, je ne sais pas si elle a suivi. Parce que souvent, vous-même, là, vous êtes comme ça. Tu as besoin d'aide, on te dit fais comme ça, tu ne fais pas. Parfois, c'est comme ça que vous faites. Regardez, voici comment on demande la prière. Seigneur, tu viens de demander que intercéder, accordez-vous avec moi pour que pour le rétablissement de mon fils. Ouais, Seigneur, vous n'êtes pas dans mes enseignements, pourquoi? Vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous suivez. Vous ne demandez pas bien. La prière, c'est une pétition. On ne parle pas devant le juge seulement. On dit, bonjour, monsieur le juge. Est-ce que telle personne, même quand je suis allé à la banque l'autre jour, je voulais annuler une de mes cartes. On m'a dit, faites une demande à monsieur le directeur de la banque, ta, ta, ta. Bonjour, je viens demander ceci, ceci, cela. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et malheureusement, les gens, beaucoup de personnes souffrent parce que vous n'avez personne qui connaît. Ézéchiel chapitre 16. Vous n'avez personne qui peut intercéder pour vous. Vous n'avez personne pour le faire pour vous. Écoutez, je vais vous lire ce que ça dit ici là. Écoutez, ce n'est pas parce que vous ignorez une loi que la loi ne va pas s'appliquer à vous. Ézéchiel 16, verset 3. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur de Jérusalem, par ton origine, ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen, ta mère essienne. Verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Verset 5. Voilà le verset que je voulais vous montrer. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Le rôle des intercesseurs. C'est que c'est comme une maman qui intercède pour son fils. Tu portes ton enfant. Verset 4 dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau. Tu n'as pas été purifié. On ne t'a pas frotté avec le sel. On ne t'a pas enveloppé dans des langes. Dans le monde spirituel, il y a des choses que tu peux faire pour quelqu'un. Et c'est un processus. Allez, ce que je suis en train de dire là ne me concerne pas. Je continue ce qu'il disait. Si vous regardez le titre de mon direct, je dis que je suis en train de venir parler des choisis. Voilà. Comment savoir que je suis choisi? Comment savoir que je suis devenu choisi? Je continue. Te voilà en ligne. Si tu pensais que tu avais besoin qu'on prie pour cette personne-là, te voilà. Tu es sur ton fil d'actualité. Quand tu cherches une solution, tu n'es pas en train de te divertir. Tu es réellement en train de chercher la solution. Et c'est ça votre problème aujourd'hui. Si même je te donne la méthode à suivre, que fais comme ça, tu vas regarder mon direct, aller encore faire regarder 5 autres personnes en train de faire leur vidéo. Aujourd'hui, on ne voit pas l'importance des choses. On ne voit pas le poids des choses. Tu trouves quelqu'un dans son direct, prie pour ta personne. Si tu voulais réellement, voilà ma page, voilà mon numéro, tu aurais cherché depuis longtemps. C'est pour ça que souvent quand vous venez avec vos choses là, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas pour dire que, ah, oh, je t'attendais. Non, ce n'est pas de la cruauté. Je ne suis pas cruel, c'est du respect. Et les chrétiens n'aiment pas respecter les directives. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Pour vous, c'est que comme c'est les choses de Dieu, on va seulement faire par là comme ça là. On va seulement faire lancer, lancer. Non. Voilà. Je continue. C'est la dernière chose que j'aurais dit là-dessus.
Je déclare ta libération, qu'à travers ce rêve, tu comprennes et que je viens sceller cette libération que tu as acquise dans ton rêve au nom de Jésus. Amen. Un autre signe que tu vas, qui va te faire comprendre que tu es en train de te transformer et que tu es en train de devenir choisi, c'est que tu ne vas plus vouloir faire plaisir aux gens. Dire non pour toi va devenir de plus en plus facile. Il y a une énergie négative en nous qui fait parfois qu'on veuille plaire aux gens. On veut leur faire plaisir ou qu'ils nous aient merci ou qu'ils soient reconnaissants. Et quand ils sont reconnaissants, c'est ça qui nous nourrit. Donc, quand tu deviens choisi, tu commences à te remplir, tu commences à être autosuffisant, like self-sufficient. Et tu n'as plus besoin des gens. Madame, est-ce qu'on vient chez les gens sans leur dire? Tu me dis que j'ai rendez-vous avec toi. Je ne suis plus là-bas depuis. Ça fait au moins 3 ou 4 mois. Mais vous-même là. On a le rendez-vous de quoi d'ailleurs? Vous mangez des gens bizarres ici. Donc, tu ne ressens plus l'envie de faire plaisir aux gens. Quand quelque chose ne te va pas, tu dis non. Et quand tu dis non, tu ne restes après, tu ne te sens pas mal. Tu vois, tu n'es plus... Oh ouais, si j'aurais... Ouais, la femme n'a pas d'arrivée à mère. Non. Tu es en train de rentrer dans ton essence. Tu rentres encore plus dans ta nature. You're becoming more of yourself. Tu deviens encore plus toi-même. Oui. Et parfois tu te dis que waouh. Toi-même souvent tu vois, tu t'étonnes que j'ai changé. Parce qu'avant ta famille pouvait te faire le chantage. Oh, la mère est fâchée. Si tu n'envoies pas 500 euros, c'est que la mère va, elle va plus te parler. On parle à la mère que t'appelles. Je parle en français. Tu ne m'as pas donné l'argent. Hein? Vraiment, si tu sais que tu es ma fille, hein? Tu dois venir pendant à la réunion familiale pendant les vacances. Donc les chantages que ta mère te faisait avant là ou ta grand-mère. Non. Ou Dieu parle, tu dis que maman, ça va aller. Ça va aller. Donc tu ne ressens plus ce chantage. Cette pression extérieure que tu ressentais avant. Tu ne ressens plus ça. Oui, quand tu es en bain, on te fait beaucoup de pression. Donc ça, c'est un des signes que tu es choisi. De plus en plus, tu te détaches. De plus en plus, tu ne cherches plus à faire plaisir aux gens. Ah, on t'a demandé une cotisation, sinon le père va se fâcher. Il va vous désavouer. Tu as dit non. Même la famille était étonnée. Toi-même, tu étais étonné que tu as dit non. Hein? Donc même l'étonnement a été étonné. Aïe, aïe, aïe. On s'est arrêté qu'on va appeler Sandy comme ça. Elle va dire que... Oui, Western, ouvre demain à 9h. Attendez, hein. On sait que tu envoies le bordereau. Voilà le numéro de bordereau.
Ah, le goût de ça. Un autre signe aussi pour savoir que tu es devenu choisi, c'est quoi? Tu n'as pas de la peine à dire non, 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 attends. Tu n'as plus besoin des gens. Voilà, tu n'as plus besoin des gens. Donc, tu restes comme ça. Avant, tu allais appeler au Cameroun. Oui, cherchez-moi le meublé, je suis en train de venir. Oui, tu peux me trouver un taximan. Oui, tu peux me trouver ceci. Oui, et c'est à travers ça qu'on tourne, tu disais, pour venir te faire le chantage demain. Toi-même, tu disais que, ah, comme je ne lui ai pas donné ce qu'elle veut là, demain, alors, maintenant, quand j'aurai besoin de faire telle chose, qui va alors m'aider? Non. Bonne journée, Charlie. Pour savoir que tu es choisi, tu ne demandes, tu n'as plus besoin de quelqu'un. Avant, quand tu arrivais, ta soeur, c'est ta soeur qui te logeait chez elle. Non, tu arrives, tu prends ton meublé. Tu prends ton meublé, tu cherches ton chauffeur, tout seul. Elle te calculait quand tu allais lancer le chantier, non? Elle savait que non, Sandy, là, je la guette. Quand tu vas vouloir faire ta maison, est-ce que tu auras le choix? C'est moi que tu vas chercher. Non, elle apprend seulement que tu as fait la fondation, que tu es venu pour couler la dalle, arroser ta dalle. Elle vient à l'inauguration, à l'arrosage de ta dalle comme ça, avec le macabo. Tu n'as pas de problème. Hein? Son opinion, tu t'en fous. Voilà, Linda, ils vont te bouder après tout ça. Elle boude même, tu t'en fous. Elle boude, tu t'en fous. Ange Victor, il faut te laver avec le sel, pardon. Venez pas m'embêter avec vos problèmes. Il va faire le travail en combien de jours pour me demander 220 000 francs de main-d'œuvre? Vraiment, les techniciens de Douala là, dis-lui que tu as compris, merci. Tu viens travailler chez moi 3 jours, tu demandes 200 000 francs de main-d'œuvre. Pardon, appelle papa François là, appelle papa François. Je t'ai dit qu'il a, il peut venir faire ce travail là. Technicien au Cameroun. Quelqu'un à ton macabre, tu lui donnes l'avocat beurre. C'est terrible. Un des signes aussi que tu es choisi, pour savoir que tu es choisi, tu n'as pas la peine, tu n'as pas de difficulté à être seul. Avant, tu prenais trop l'opinion des gens pour faire tes projets. Maintenant, tu arrives à réfléchir seul, à prendre tes décisions seul, à assumer les conséquences de tes décisions. Arrête, pardon, laisse-moi laisse les techniciens du Cameroun, pardon. Je dis à quelqu'un que je veux qu'il me laque. Viens me laquer le mur. Tu laques, tu mets le ciment sur le mur. Mais 200 000 pour 3 jours. Pardon, laissez-les comme ça là. Pardon de nos choses ici là. Donc je disais ceci, tu n'as pas de peine à prendre tes initiatives seul. Donc tu te fais de plus en plus confiance. Avant, tu demandais trop l'opinion des gens. Et les gens prenaient trop. Les gens venaient trop pour te donner leur opinion aussi. Trop.
Tu restes comme ça, la personne dit, ah, ouais, je voulais te dire que vraiment tu dois faire attention, hein. Tu dis, ah, je t'ai demandé ton avis. Hop. Que le macabre, c'est quoi? Le macabre, c'est quoi, pardon? Il y a quelqu'un qui a demandé que le macabre, ouais, TikTok, on va faire quoi de vous, TikTok? J'ai oublié que les gens qui ne sont pas camerounais, ils me suivent. C'est qui a dit que le macabre, là, viens l'expliquer. Même vous les Camerounais sur TikTok, expliquez, non? Donc, tu vas voir que très souvent maintenant, tu as. Bonjour, monsieur NTS. Donc, tu vas rester comme ça, parfois pour les décisions que. Puisque tu es en train de commencer, ta lumière commence à s'ouvrir. Tu vois quoi, ta tante là va commencer à lui dire, ah, ouais, il faut venir me voir, je vais te conseiller ma fille. C'est ce que tu as voulu faire là, ça ne va pas donner. Tu ne lui as pas demandé son opinion, mais elle vient, elle veut te conseiller. Peut-être tu commences à faire tes vidéos. Ça marche. Comment dire que viens, je vais te conseiller. Bonjour Mina. Vraiment, je vais te. Il faut venir, je te parle. Et tu sais que ces conseils qu'elle veut donner là-même, ce n'est pas avec le bon cœur. C'est pourquoi demain, ils disent aux gens, voilà, c'est moi. C'est moi, c'est la conseillère parce qu'elle n'est pas là-bas. Donc en fait, tu as perdu cette envie de vouloir même écouter quelqu'un. Tu sais que cette tante-là, elle ne connaît pas tout le lavage au sel. Elle ne connaît pas ce que c'est qu'avoir des projets ou des rêves, peut-être vouloir impacter les gens, mission de vie. Mais même ton cœur te dit que les motifs de cette femme-là ne sont pas clairs. Parce qu'il y a des personnes que tu peux aller écouter, parce que tu as quand même vu que la personne parle avec un cœur qui est pur. The person is coming from a good place. Mais elle là. Que jeune ange, tu parles de moi à ta soeur. Ne perds pas ton temps pour parler de moi à ta soeur. C'est comment? Tu n'es pas tombé sur mes vidéos par hasard. C'est toi qui dois m'écouter, pas ta soeur. Pourquoi quelqu'un m'écoute? Si tu n'as pas la vérité dans ton cœur là, il veut que t'énerver. Il veut seulement t'énerver. Dès qu'il va, tu vas venir se babader, tu vas fuir. Aïe. Tu finis de parler, on te dit que oui, que tu dois supporter ta croix. En fait, il ne t'aide pas, il voulait seulement savoir ta vie. Pour les infos sur la tontine, tu écris. Il dit que la tontine commence le 6, le 5 juillet. Il y aura 50 000, 100 000 et 200 000 de cotisation. Et on cotise pour avoir un but. On écrit en inbox pour avoir tous ces détails-là. Tu cotises dans un but de. Pas que tu viens cotiser parce que tu vas acheter le sac Louis Vuitton. Tu vas dedans.
Vous devez être très très vigilant parce que plus vous montez votre aura, j'ai commencé d'abord par la beauté, parce que votre aura, quand les gens, il y a des gens qui vous ont bloqué tellement, qui sont habitués à vous voir déprimé, si bien que quand on te voit, tu brilles, on sait que tes choses sont en train de marcher. Même si on ne voit pas encore la voiture, même si on ne voit pas encore le mariage, même si on ne voit pas encore la maison, on sent que la fille est en train de devenir bien. Et ça seulement, ça énerve les gens. Seulement de savoir, de les gens, quand ils savent même que tu vis bien, quand ils savent que tu manges bien, que tu fais l'amour avec ton mari tous les jours, ah, l'homme est mauvais. Donc, dans son mariage, elle est heureuse. Hein? Donc, elle est heureuse. Il y avait quelqu'un en ligne qui demandait à un autre artiste que je veux te parler. Il ne rentre jamais dans votre truc là. Il demandait que je veux te parler. Il m'a dit que waouh. Quand on dit à quelqu'un que viens, on veut te parler, tous ces trucs là. Chacun a sa foi dans son cœur. Chacun a sa foi dans son cœur. Et surtout, même quand tu as des souffrances, personne ne connaît ce que tu as déjà traversé. Personne ne connaît même. C'est pour ça que je ne peux pas regarder quelqu'un et le juger que non, toi tu n'es pas guidé par l'Esprit de Dieu. Non, tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Donc quand tu penses que c'est Dieu qui. Dieu t'a dit que tu dois venir peut-être parler de. Que Dieu t'a dit que tu vas me donner un message. Combien de fois les gens me. Si on racontait que Dieu m'a dit de te dire que. Il dit que pardon, il m'a déjà dit, je suis sûr. Parfois, il y a des gens qui veulent te donner des messages comme ça, je te dis que, mais Dieu, ok, si tu as vraiment parlé, pourquoi aussi tu ne leur parles pas pour leur situation? Comme ça les aide aussi. Toi-même, tu as vu leur situation, tu as vu ce qui pouvait les aider, tu ne leur as pas dit. Parce que tu sais que si tu ouvres ta bouche pour dire, là, ça va donner les dans l'ouverture. C'est pour ça qu'elles vendent mes conseils. Je sais que si tu as vraiment besoin de ce que j'ai à te dire, tu vas valoriser mon temps, tu vas valoriser qui je suis. Tu vas venir, tu vas dire que s'il te plaît, j'ai besoin de ton conseil. Prends ce que tu as demandé pour ta consultation. Maintenant, je m'assois, je t'écoute. Comme je viens de t'écouter, maintenant, tu parles. Après qu'elle te donne le conseil. Le conseil qu'on t'a donné dans ce contexte-là, tu vas plus prendre en considération. Et même si tu décides de ne pas prendre en considération, c'est ton argent. Tu as payé pour ça, non? Comme un habit que tu peux acheter, tu ne portes pas. Oui. Tu peux acheter un habit, tu ne portes pas. C'est ton argent. On peut te donner le conseil, tu écoutes seulement, tu dis que je ne prends pas. J'ai des personnes qui me contactent. Ouais, tu dois arrêter ça. Dieu m'a dit, je t'ai dit que tu dois arrêter ça. Non, ne fais pas comme ça. Calm down. Donc quand tu peux savoir que tu es choisi, tu vas voir que tu as une indépendance là que. Et tu as une foi, tu as confiance en toi. Le mois passé que tu es venu en présentiel pour le lavage, quand tu rentrais, tu as rencontré un pasteur dans le bus. Il s'est levé de son siège pour venir te dire de ne pas l'oublier quand tu auras l'argent. Aïe, pardon. En tout cas. Ok, Stevie. Fais très attention. Donc, tu vas remarquer que tu n'as plus vraiment besoin des gens. Tu prends les décisions de ta vie, tu sens une autonomie dans tes pensées. Emma, bonjour. Je pense que c'était le dernier signe. Hein. Ouais, Le 5 novembre 2009, 5th of November 2009.
In the UK, we put the day before the month. And I think in the US, you put the month before the day. So it's the 5th of November. Qui se rappelle des signes que j'ai donnés pour savoir que tu es choisi? Premier signe, j'ai dit que c'était quoi? La beauté. Tu vas beaucoup briller. Tu vas déjà. Deuxième chose, j'ai dit que c'était quoi? Mi, merci. Deuxième. Tu commences à investir sur ta spiritualité sans qu'on ne te force. Troisième. L'abondance. Partout où tu vas, tu veux donner la prospérité aux gens. Quatrième. Quatrième. Tu ne ressens plus les pressions familiales ou de quiconque. Tu peux dire non. Cinquième. Cinquième. Tu n'as plus besoin des autres. Tu arrives facilement à te passer des autres. Tu es autosuffisant. Bon, ma chérie, attends, j'ai presque fini le direct. Je pourrais te consulter. Tu vas t'asseoir quelque part. Tu payes une consultation pour ton frère. C'est pour toi ou c'est pour ton frère en fait? Je n'aime pas travailler sur les gens qui ne sont pas là. Je n'aime pas consulter les gens qui ne sont pas là. Si ce n'est pas ton fils ou ton mari. Non, c'est dans ton frère comme ça là. Bon, j'ai parlé de ces signes-ci pour que vous ayez, pour que vous soyez conscient qu'en fait vous êtes en plein changement. Il y a quelque chose en vous qui est en train de changer. Oui. Pour avoir une consultation, tu écris au numéro ou tu appelles le 237 693 50 22 66. Ton numéro 1, c'était la beauté. 2, c'était tu investis maintenant sur ta spiritualité sans compter. Tu ne pleures plus l'argent. Numéro 3, tu es abondant. Tu n'es plus chiche. Tu peux faire tes salakas. Numéro 5,
Tu ne ressens plus les pressions extérieures, tu peux facilement dire non. Numéro 5 maintenant, tu es autosuffisant. Tu peux fonctionner sans avoir besoin de quelqu'un. C'est là que tu comprends, que tu sais que je suis choisi. C'est 66 à la fin. 693, 50, 22, 66. Et même, il y a le lien dans la bio de TikTok. Je vais vous montrer. Je sais pas pourquoi les gens ne voyaient pas ça sur TikTok. Ici. Voilà le lien. Tu cliques ici, ça va t'envoyer dans le WhatsApp. Tu cliques ici. Dans la bio, il y a un lien. HTTP Bitly, c'est un lien Bitly. Oui, je vends les bonnets comme le mien. Je vends ça à 20 000. Si tu veux, on met les courriers dessus. 20 000 francs. Donc, si on poste en France, si tu es à Paris, on va te poster ça à 5 000. Donc, tu vas acheter à 25 000. Tu iras chercher toi-même. Et si tu es ailleurs, tu vas peut-être payer 8 ou 9 000 parce que la personne va chercher et elle va te poster. Bonne journée à vous. Ceux qui ont payé une consultation, je vais commencer à consulter après cette vidéo. Donc, vous écrivez pour appeler la consultation juste. Je vous mets en file d'attente. Commence à consulter de maintenant à peut-être 15 h. Tout à l'heure. Et les lavages seront faits après 15 h. C'est après avoir constaté que j'ai fait les lavages tout à l'heure. Bonne journée.